C'est bon, ça tourne, tu peux venir. Ouais. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, longue vie. À vous tous qui nous suivez depuis maintenant. Ça fait longtemps. Ça fait des années. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très spéciale pour débuter cette nouvelle année 2021. Je me souviens l'année dernière, la dernière vidéo de décembre, j'avais dit quoi? J'avais dit ouais, 2020, on va tout casser. Allez, c'est plutôt l'année qui m'a cassé. Je n'ai absolument rien fait. J'ai mis dans la santé, mais voilà, c'était pas trop ça. Je suis en train de parler, je te dérange pas trop. C'est vrai que c'est déprimant quand tu passes 2 semaines de vacances en décembre et après tu retournes en cours, ça fout seul. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo histoire de vous remonter un peu le moral, que vous vous disiez ah c'est vrai, en fait on n'est pas tout seul. Ouais, on a tous commencé, on était très moches. Après chouïa, on commence à ressembler à quelque chose. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Franchement, on a des belles petites pépites. Bon, on va commencer tout doux. Quand j'étais petit, ça va, j'étais un petit peu mignon. T'étais laid. Non, arrête, commence pas à tailler parce que t'as grandi, t'étais moche. Ah non, tiens. T'as grandi. Quand j'étais petit. Appareil dentaire, oh, t'étais laid de ouf. T'inquiète pas que l'appareil dentaire il arrive très vite, toi. Ouais, il arrive. Très vite, cette année t'as un appareil. Moi quand j'étais petit, ça va, j'étais mignon. Après, vas-y, je suis arrivé au collège. T'étais laid. Oh. Ah ouais, j'étais laid. Je m'étais fait recal en plus par une meuf. C'était gênant. Je me suis fait recal par une meuf au CDI. C'était gênant. Je l'ai regardé, je lui ai fait, je peux sortir avec toi? Elle a fait, non. En plus, cette conne, tu sais pas, elle me dit quoi après? Elle fait, attends, je suis désolée, je voulais pas te vexer, on peut la refaire? En fait, voilà, t'es pas trop à mon goût. Je me suis vraiment fichée. Bref, quand j'étais au collège, j'étais chum. Ça devait être gênant. Quand j'étais au collège, j'étais vraiment kex. Ouais, moi, j'avais pas de grands frères, j'avais pas de repères. Toi, t'as plein de grands frères. Vous avez vu, quand vous avez des grands frères, après, bah, vous vous en inspirez. Donc, forcément, vous savez parler, vous savez vous défendre. Moi, j'étais tout seul, j'étais un tout petit. Je savais que rire et tailler les gens. Mais pas méchamment, hein, pas méchant. Genre, je rigole, je taquine. Bref, collège, t'es kex. Lycée, kex encore plus kex. Je me suis dit, je vais arriver au lycée, peut-être ça va être un peu stylé, ça va changer, je vais commencer à BG et tout. Pire. Et après, j'arrive à l'université, c'est là-bas qui m'a sauvé. Yeah, là-bas. T'es quand même un peu moche. Non, je sais pas. T'as un floco, wesh. Tu veux tailler, toi, tes sourcils de Dominic? Mais c'est bien, mais des sourcils comme ça. J'ai des bêtes de sourcils. Ouais, bien sûr. Ok, en tout cas, moi, à part mes sourcils. Mais arrête de shit. Mais pourquoi tu veux faire mon sourcil? Il est bien mieux. Wesh, il a mon sourcil. Ton big zen, ben voilà, t'as un big zen. J'avoue, j'ai un gros nez. T'as un big zen. J'avoue, j'ai un gros nez. Bref, on va commencer, je vais vous montrer mes photos avant. On va commencer avec cette photo là. Franchement, j'étais mimes quand même. T'as un œil. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un œil plus fermé que l'autre. Un zombie. T'es moche. Arrête, je suis archi beau, je suis mignon, toute la vérité. La vérité, je suis mignon. Là, je crois, j'étais en CE1. T'as des dents écartées, hein. Ouais, j'avais un petit peu les dents du bonheur. Mais après, j'ai mis l'appareil dentaire, ça allait mieux. Mais regarde, j'avais la même coupe de cheveux que toi. Mais t'as des yeux. Mais j'étais mignon, j'étais hello. En plus, j'avais une amoureuse, elle s'appelait Léna à cette époque. Eh, j'avais grave la cote. CE1, CE2. Franchement, sans monter, j'avais la cote de ouf. Je me souviens, une fois, ils ont fait un jeu, ils ont fait la queue pour me faire la bise. Mais je vous jure que c'est vrai. Ils ont fait, genre, les filles de ma classe, elles ont fait la queue, elles ont dit, on va faire la queue pour Fab. Qu'on aille lui faire un bisou sur la joue. Elles ont fait la queue. C'est vrai ça? Voilà. J'avais trop la cote. T'avais des jambes dans ta classe. Non, non, j'avais trop la cote. Non, c'est pas la cote. Moi je trouve que j'étais grave mignon. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Je vais vous montrer quelques photos de lui dossier, vous allez voir. Quoi, tu vas t'en sortir comme ça? Maternelle, maternelle, si, si, maternelle. Maternelle. Bien, ouais. Aussi, cette photo. Je sais pas, t'as voulu essayer quoi, mais non. Never. Next. Next. Arrête, j'étais grave BG. Arrête, j'étais grave BG. Encore le. Oh, pourquoi tu mens? Arrête un peu. Wesh. J'étais déjà. Là, j'étais déjà destiné à être un Qatari, tu vois, un futur Qatari. Là, je suis roi du pétrole. J'ai voulu tenter un truc, ça a pas marché. Non, non, franchement, là, tu sais, c'était quoi? C'était la circoncision de. Rien, je crois. Et t'étais habillé comme un Qatari. Bah ouais, moi j'aime bien. J'avais du henna. Ensuite, bon, celle-ci c'était quand j'étais petit. On va y aller au fur et à mesure. Non, on va y aller au fur et à mesure. La photo. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. T'es prêt? Ouais. Quitte ma tête. Wesh, c'est quoi cette tête? Un rat. Oh le gamin. Un rat, voilà. C'est quoi ces lunettes? Maman, pourquoi tu m'as acheté des lunettes comme ça? C'est tout ce qu'il y avait à l'époque. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque. C'est quoi ces lunettes en plastique? Wesh. Franchement, maman, t'aurais pu faire un effort sur les lunettes quand même. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait chasseur. Ça c'était Alger. J'aurais des bordures. Je crois que la plage elle s'appelait Ford Low. Trop moche. Bien en l'air. Passons. Un sumo, je suis vraiment trop moche. Oh la tronche! T'es trop mignon, non, vraiment t'es trop mignon. On a juste l'impression par contre que t'es en train de chier sur la photo. Arrête de mentir, c'est juste. T'es en train de faire dans la couche. Je suis concentré. T'es en train de faire dans la couche. Je suis concentré en train de conduire. Et t'es en train de faire caca dans la couche. C'est un gros floco, je suis concentré en train de conduire. Mais arrête de mentir. En pleine action, le photographe il a dû faire. Ah, il était corsé ce petit jeune homme, hein, ce petit meilleur. Pas du tout. Ah, il nous a envoyé du lourd.
Non, arrête, j'étais juste concentré en train de conduire. Je voulais conduire, je voulais taper le bix. Moi, j'ai un sumouèche. Tu mens. Tape ses photos. Ouais, franchement, j'ai des photos dossier. Super. Ensuite. Si, là, ça va. En vrai, ouais. Là, ça passe. Là, j'étais en. J'étais en 5ème aussi. J'ai Non, j'étais en quelle classe là? Bah, c'était l'année où j'ai grossi. J'étais pas encore parti en Algérie. Non, mais ça, c'est pas une photo fichée. Ça, c'est des photos, on va dire, photos de classe. Mon père a des photos fichées par contre sur. Quand j'étais en Égypte, tu sortais de la mer, j'avais mon ventre qui pend. Oh, c'était gênant. Tu nous expliques à quoi tu joues? Ah, non, mais on m'avait dit de faire cette photo. Je l'ai faite, hein. J'étais en maternelle. Il joue à quoi? J'étais obligé de faire la photo. C'est en maternelle. Quoi tu veux? C'est quoi les bails? Pourquoi tu t'es mis sous la chaise comme ça? Parce qu'on m'avait dit de faire une photo sous la chaise. C'était vraiment chez toi, arrête de mentir, on t'a rien dit. C'était une photo à thème, j'ai juré que c'était une photo à thème. Qu'est-ce qu'il est en train de m'inventer? Il s'est mis sous la chaise. Ou là tu joues à cache-cache là. Non mais si tu joues à cache-cache t'es cramé hein. Vous êtes prêts? Là, attention, là j'étais dans une optique où je me disais ah, là c'est ton été, là il faut que tu donnes tout. C'est quoi ce pote? T'as un pantalon courant? C'est quoi ces cuisses? En fait, mes cuisses, elles étaient pas comme ça, hein. Commencez pas à me tailler. Mes cuisses, elles étaient pas comme ça. Mais la photo, elle était pas cadrée. C'est pas qui m'a pris en photo. Il m'a coupé les pieds et la tête. Il reste quoi? Un grand t-shirt Hermès, hein. Oui. Ta grosse sacoche pour Yorman. Ma grosse petite. Là, quand je l'ai acheté, je m'étais au max, hein. Oh là, j'étais au max. Je l'avais porté pour aller en Algérie, mais je me sentais grave frais. Ton gros poil ta cour. En plus, vous savez, j'ai pris au pied. Des espadrilles. Partie 2. C'est quoi, c'est pire? C'était ça, l'espadrille. Ok. Oh là là. Ernest, encore, toujours avec le même pantacourt. Wesh. Mais là pour moi j'étais grave frais. Pour moi c'était la tenue de la night. Genre là pour moi j'ai envoyé de ouf. En fait par contre je vais vous avouer un truc. C'est vrai qu'à cette époque là j'étais pas trop à l'aise dans mon corps. T'avais un style. Je me sentais un peu bouboule genre. Et les espadrilles plus jamais en fait. Les plus panées. Tiens pose là-bas. Je suis gêné. C'est quoi cette tête? Cette tête elle m'horripine, je me fous le seum. Moi j'avais la tête comme ça. Elle me dague. J'avais grave des charges sur tous mes frères, je suis celui qui a eu le plus de boutons. Je suis en quatrième, zéro bouton. T'es porte pas l'œil, demain t'en auras. Frère j'étais grave chum. Croyez-vous, vous inquiétez pas, même si vous êtes chum au collège, après vous allez être beau. C'est quoi cette crête? C'est quoi cette crête? Le gros sweet baby Milo. Oh là là, c'est gênant, c'était en Algérie. On a fait des photos de blédos. Ça m'a sur les rochers. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Pourquoi tu n'es plus comme avant, toi, la rose que j'aimais? Ça fait penser à celui qui chante. Mais c'est grave vrai. Ah baby non. Milo. Pour ceux qui connaissent Baby Milo, vous savez, vous-même, vous savez. C'était tellement à la mode quand t'avais un baby Milo, t'étais quelqu'un en fait. Ah, j'ai déjà connu. T'as pas connu? Si, ouais. J'ai juré, je connais. T'étais pas né. Les 2007 en sueur, vous connaissez pas Baby Milo? C'était le petit singe avec le truc comme ça. Bah, c'est normal, t'as la photo là. Pas du tout. Les 2007, à partir de 2005, vous avez pas connu. Tu mens? Non, vous avez pas connu. Le jean pas de Dave. Oh. T'es prêt? C'est quoi ce gros pull? Pourquoi tu faisais tête? Je sais pas, je crois que c'est le soleil qui m'a aveuglé. C'est en Algérie ça aussi. Le gros sweat Algérie. Ouais, vous savez, j'étais tellement fan de l'Algérie, enfin je le suis toujours. J'ai le sweat, j'avais le t-shirt noir, j'avais le t-shirt en blanc. J'avais toute la collection. Mais c'est plus, c'était grave à la mode. Hein. T'avais un point. Clicli, vous-même, vous savez, t'allais à Clicli, t'achetais tous les pulls que tu voulais. T'avais les Comores, t'avais Maroc, Tunisie, Maghreb United. J'avais toute la collection. Par contre, y'a rien qui va, c'est quoi ce jean? T'as un point. Bon, je passe à la photo suivante. Salut. Est-ce que t'es prêt? Pas, là je faisais le post-bad avec la vache et tout, tranquille. Toujours la même petite crête toute sautée. Je sais pas pourquoi j'ai vu une photo avec la vache. T'as toujours le même pants. Ah mais ouais, j'ai le même pants, le même sweat baby Milo. De vache à côté, pas mal. Je me déteste, j'ai envie de me mettre une patate carrément. Une patate, je peux mettre une patate. Alors cette photo. En vrai, pas ça. Non, arrête. Là j'avais encore les boutons. Je commençais à avoir un peu de moustache. Là j'étais en première, je crois. Regarde, j'ai un t-shirt quoi. Ernest, encore, t'es bien fan. J'avais toute la collection Ernest. T'es bien fan. Est-ce que je pourrais? Ça, c'est quand j'ai commencé à faire les vidéos. Je sais pas pourquoi je poste des photos comme ça. En plus, je l'avais posté sur Instagram, mais je l'ai archivé parce que c'est trop fiché. Selecto Hawaii, c'est la raison d'être vivant. Selecto, elle est même pas pleine. Je ressemble à un indien, on va pas questionner vraiment. Ta tête de marron chaud là. J'étais BG, je commençais un peu à avoir la barbe, mais c'était pas homogène. Arrête, non, maman. Maman, arrête. Mais arrête, moi. C'est quelle hypocrisie. Non, mais franchement, t'as rien de taillé parce que j'ai hâte de voir tes photos. C'est quelle hypocrisie, ça, maman. Non, t'as juste tu mens. Après, ça, c'était en 2015. Là franchement, non, là ça va. Il a essayé de nous faire le mannequin taper sa meilleure pif. Mais la tête de homme que non, là je suis bien. Moi là je trouve que je suis BG. Non, arrête. Dites la vérité, je suis beau là. T'es blanc. Ça passe.
Ouais, je suis pâle et tout, mais ça va, ça passe. En fait, on dirait que les boutons ils se sont remplacés par la barbe. Moi, je trouve que je suis bégé là. Ah non, encore une fois. J'ai peut-être maigri un peu, je suis un peu plus creusé. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez juger en fait. Vous allez dire, est-ce que j'ai glow up? Tu sais, ça veut dire quoi glow up? Non. Ça veut dire vraiment avant t'étais moche, bah t'es devenu chelou. Moi j'ai connu des gens, en fait on dirait qu'ils étaient à 100% déjà au collège et lycée. Quand t'arrives après à la fac, tu continues de grandir. Les gens ils évoluent, mais toi t'étais déjà à 100%. Bah tu te retrouves à l'université là. Bah vous m'avez largué, qu'est-ce que je deviens moi? J'arrive plus à compter, je suis devenu trop moche. Il y a des gens c'est comme ça. Cette photo, pour moi, ça montre que j'ai glow up. Hein. Elle est bien. Bah, elle est classe, elle est belle. Moi je la kiffe cette photo. Là oui, là il a glow. Il y a un glow quand même. Mais écoutez, franchement c'est avec le temps. Après je pense que c'est aussi dû à la confiance en soi. Moi quand j'avais son âge, j'avais pas autant confiance en moi. Et je pense que ça joue. Donc apprenez à avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous, vous allez voir que ça va vous rajouter quelque chose. Il y a des gens qui sont chums. La beauté intérieure ça joue énormément. Si t'es méchant, tu tailles les gens, t'es pas aimable, t'es pas souriant, tu passes ton temps à critiquer, tu passes ton temps à rabaisser les gens, tu parles mal, même la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes, ben en fait ça ressort sur ton physique. C'est vrai que soyez des belles personnes et vous allez voir que vous allez beaucoup changer. C'est pour ça petit à petit, donc soyez pas frustrés. Je sais qu'au collège, lycée, tu peux te poser des questions et te dire vas-y, je suis trop moche, je suis trop comme ça. En fait, tu te compares, t'es grave dans une comparaison. On est constamment en train de se dire lui il a ça, elle a ça, moi j'ai pas, ça veut dire que je suis une merde. Pas du tout. Chaque chose en son temps, petit à petit. Et je trouve que c'est encore même mieux de pas trop brûler les étapes et faire vraiment les choses petit à petit. Ça veut dire plus t'avances dans le temps, plus tu grandis, plus tu prends en maturité et plus t'arrives à acquérir certaines choses, t'arrives à faire certaines choses, voyager, t'habiller différemment, trouver ton propre style. C'est ça, pour moi c'est ça le cheminement parfait. Éviter tout ce qui est cigarette et tout ça aussi, hein. Ça dégrade le visage. Puis bah c'est bon hein, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce bleu si vous trouvez que j'ai changé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donnez-moi aussi d'autres idées que vous voulez que je fasse en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que 2021 ce sera du positif pour tout le monde. On va réussir à faire ce qu'on voulait faire en 2020. 2020 c'est derrière nous. 2021 on avance, on fonce. J'espère que ça va le faire en tout cas pour nous tous. Puis voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.